appelait le crapaud. Et sa barbe mitée, et sa bosse sur le dos. Le dimanche après la messe, il amusait les enfants, qu'il aimait avec tendresse, et les gosses étaient contents. Le crapaud chantait dans tout le village. Le crapaud chantait, il avait pas la lumière à tous les étages. Les braves gens du village disaient de lui pauvre fou. Il serait mieux dans une cage. Les anciens se retrouvèrent au monument aux morts. En suivant le défilé, ils chantaient encore plus fort. Le crapaud chantait dans tout le village. Le crapaud chantait, il avait pas la lumière à tous les étages. Quand on se moquait de lui, si on le traitait de fou, de sa bouche réjouie, il répliquait je m'en fous. Même monsieur le curé enlevait les yeux aux cieux lorsque le crapaud chantait en plein office religieux. Le crapaud chantait dans tout le village. Le crapaud chantait, il avait pas la lumière à les étages. Mais le 22 juin dernier, on l'a retrouvé sans vie. C'est donc ce qui l'a poussé à s'enfuir au paradis. Depuis, au sein du village, quelque chose a changé. Et parfois, dans un nuage, on croit l'entendre chanter. Du pauvre crapaud au sein du village. On a le corbeau, ce brave crapaud a tourné la page. On entend l'écho du pauvre crapaud au sein du village. On a le corbeau, ce brave crapaud a tourné la page.